Et maintenant, nous allons vous emmener visiter le chantier de la plus haute tour solaire du monde. 4 mois après la conférence sur le climat de Paris, l'accord vient d'être ratifié aux Nations Unies. Parmi les engagements des 175 pays figure la promesse d'augmenter la part des énergies renouvelables. Cette tour, aussi haute que la tour Montparnasse, est en train de sortir de terre dans le désert d'Israël. Reportage dans le futur de nos correspondants Benoît Cristal et Borgane Doux. Ces concepteurs ont voulu voir plus grand et plus haut. 50 000 miroirs sont en cours d'installation dans le désert. À eux seuls, ils pourraient recouvrir la superficie de 200 terrains de football. D'ici un an et demi, les franco-américains d'Alstom General Electric pourront fournir de l'électricité à une ville de 100 000 habitants. À partir de ces 50 000 miroirs, on reflète le soleil vers la tour qui sera construite derrière moi. On est en train de transformer ce site dans une centrale d'énergie renouvelable, solaire, utiliser la richesse de notre désert. Les ingénieurs l'appellent l'énergie solaire concentrée. Les miroirs pivotent pour réfléchir le maximum d'énergie solaire vers le sommet de cette tour, une sorte de réacteur où de la vapeur d'eau chauffée par le soleil produira l'électricité. Dans les prochains mois, une tour en béton haute de 200 mètres sera construite ici. Le réceptacle de lumière qui se trouve juste à côté sera alors hissé jusqu'au sommet pour donner naissance à la plus haute tour solaire du monde. La température y atteindra 600 degrés. Après la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP21, d'autres pays pourraient adopter le système. Je suis sûr que le projet à Chalim est un projet phare qui peut et qui va inspirer d'autres pays à investir dans la technologie de solaire concentré. La Chine, le Maroc et le Chili ont déjà signé des contrats. La tour produira chaque jour autant d'électricité que 60 éoliennes. Mais cette technologie n'est rentable que dans les pays bénéficiant d'un ensoleillement quasi permanent. Et cap sur l'océan Indien.